1, 2, 3, sorcière. Un livre à compter. Une histoire écrite par Magdalena et illustrée par Gwen Keravan. La sorcière rentre chez elle avec un chaudron neuf et un plein panier de provisions. Le vent souffle si fort qu'elle a bien du mal à atteindre sa maison. Le vent souffle et se déchaîne une fois. Un. Et le chapeau de la sorcière s'envole. Le vent souffle et se déchaîne deux fois. Un, deux. Et la cape de la sorcière s'envole. Le vent souffle et se déchaîne trois fois. Un, deux, trois. Et le panier de la sorcière s'envole. Le vent souffle et se déchaîne quatre fois. Un, deux, trois, quatre. Et le balai de la sorcière s'envole. Le vent souffle et se déchaîne cinq fois. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et le chat de la sorcière s'envole. Le vent souffle et se déchaîne six fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et le chaudron de la sorcière s'envole. Le vent souffle et se déchaîne sept fois. Un, deux, 3, 4, 5, 6, 7. Et la porte de la maison de la sorcière s'envole. Le vent souffle et se déchaîne 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le toit de la maison de la sorcière s'envole. Le vent souffle et se déchaîne neuf fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et il emporte avec lui la sorcière. Alors, la sorcière s'envole par-dessus les toits. Elle vole, vole au-dessus de la forêt. Elle vole, vole au-dessus de la ville. Quand enfin le vent s'arrête de souffler, la sorcière dégringole à toute vitesse. Et son chapeau, et sa cape, et son panier, et son balai, et son chat dégringolent aussi. Et pour finir, son chaudron lui tombe sur la tête et l'assomme. Pour la réveiller, il faut compter doucement jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais la sorcière ne se réveille pas. Alors, il faut compter plus fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand la sorcière enfin se réveille et se relève, le vent se remet à souffler fort, mais cette fois à l'envers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Et la sorcière part en arrière et se retrouve les fesses en l'air.